8h30, on vient de se réveiller. Monsieur Gliss. On a mis un petit coup de chauffage. Bon, on a plutôt bien dormi pour cette première nuit. Il n'y en a pas eu froid. Mais à la mer, il gèle pas souvent, donc il n'y a pas gelé. Il était prévu moins 2 dans les terres, mais là, ici, on a été tranquille. Il commence à faire clair. On va bientôt partir. C'est parti, on a la tenue. La tenue d'Arnaud Gliss. Allez, on va aller tourner la suite du clip. Parce que ça fait quasi 2 heures qu'on flâne dans la voiture. Voilà, on vient de sortir de la voiture. Là, c'est marée haute, archi haute. Et il y a un vent assez important. On est très bien garé. Avec ces maisons juste face à la mer. Et on va retrouver le blocos miroir juste là-bas. Et on tombe sur les nouveaux 5008 de la police. Alors on découvre juste après la digue de Lefrancourt le blocos miroir. Là où on va tourner une toute petite partie du clip. Voilà, donc juste après le blocos miroir, deuxième lieu de tournage pour aujourd'hui, la batterie de 8 cotes, donc c'est un ensemble de blocos et c'est assez gigantesque. On va faire le tour. Voilà, donc maintenant le but c'est de trouver le meilleur endroit pour filmer une partie du clip. Il y a des tags vraiment sympas. On va voir quel lieu on choisit. Donc c'est batterie de 8 cotes et c'est littéralement une petite ville nichée dans les dunes. C'était un fort de la Seconde Guerre mondiale et c'est immense. Juste à côté du blocos miroir. Donc je découvre en même temps que vous. Cette pièce elle est immense. On va monter sur le plus grand blocos et on va, je pense, tourner une partie du clip sur celui-ci. Et là, je vous propose un logement atypique avec vue sur mer. Et on peut dire que c'est une villa. Avec cette grande baie vitrée. Très lumineux. On vient rentrer dans la tour principale, donc on a vue sur la mer. Hyper étroit. Descends doucement. Et à propos. Chute. Voilà, donc dernier lieu de tournage devant le tag en miroir. Résister. On s'est fait plaisir, hein. Le menu complet, la canette, c'est ça quand on revient de la mer, faut reprendre des forces. Voilà, c'était notre première nuit dans la Pontchac Firebird. Je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer la sortie de mon clip Combi Love. Allez, salut les glissous, à bientôt.